Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Stone Block, toujours en compagnie d'Antar. Bonjour Antar. Salut. On se retrouve du coup sur le petit bloc, il est en train de générer du bois, tranquille, il s'éclate. C'est la fiesta au village là. C'est assez cool comme invention, écoute. Après il génère pas énormément de blocs, hein, honnêtement, mais Oui, mais on pourrait faire des farms auto avec ça. Bah vu qu'on en a 8 en soi, oui. Mais on en a 8 ou 9, parce que j'en ai vu 8 moi dans le coffre. Oui, mais on en a 9 avec celui-là du coup. Ah parce que t'en as loot 9 du coup. Oui. Ok, c'est bizarre. C'est spécial. Alors, du coup, toi, il te fallait que tu fasses le smell tree et le fertilizer, le floral fertilizer. Et moi, je vais faire une sieve. Ça va être génial, j'adore les sieves, c'est vraiment ma passion. Alors, je sais pas comment on le fait. Le smell tree, je vais m'en occuper, mais le truc fertilizer, je sais pas. Non, on va voir. Bah, je pense que ça doit être marqué. Hein. On va regarder ça si tu veux. Je regarderai. C'est un peu chiant là, toutes les. Oui, un peu, ouais. Je pensais que ça disponerait tout seul, mais apparemment non. Mais attends, je peux peut-être utiliser le. Ah non, j'ai cru que le crop. Tu peux utiliser le crop. Non, c'est plus rapide. Non, mais tu récupères des fils au moins. Oh, t'en récupères plus. Ouais, j'ai 3 stacks de fils là. Ah oui, c'est vrai que ça, regarde, ça génère aussi des feuilles ce truc là. J'ai regardé un petit peu sur le wiki, apparemment ça génère sur 3x3. En dessous, au-dessus. Enfin, en tout sur 3x3, donc tout autour de lui. Ça génère du bois comme ça et des feuilles de la jungle. Voilà. Mais c'est nickel. Bah, c'est sympa. Les farms à bois là, comme elles vont être propres. Après, c'est pas ultra optique. Enfin, ça génère pas énormément non plus, mais c'est oui, mais on a pas besoin d'une grosse génération. Comme ça, on a même pas besoin de rien. C'est vrai qu'on peut faire un tout petit truc et ça nous fera une petite ferme à bois. Ça peut être pratique en effet. Mais après, je sais pas comment tu peux faire pour pas dire, pour lui dire de pas frapper la nature en machin là. Tu sais, pour détruire que les blocs de bois. Si on veut faire une ferme auto, on verra ça plus tard. Bon, du coup, il me faut des cives. Alors, je sais plus comment ça se craft les cives. Casting table. Ah, c'est quoi ça? Des woven cotton. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme armor en fait? Je peux regarder les armures. Peut-être regarder. Oh, on peut faire de la wooden armure. D'accord. Il me faut du gravier, de la. Et de la clé. Et je suppose que la clé ça s'obtient avec le stone armor. Oh, je fais un sieve direct. On verra si on leur fera plus tard. Et il nous faut la mèche, je crois, la sieve mèche. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Alors, on va regarder sur le truc. Detect, bim, bim. Alors, c'est pas ça. Non, c'est sieve. Je l'ai, la sieve. Ah, j'ai pas fait la bonne sieve, coup dur. J'ai fait la Eevee. Bon, c'est pas grave, on aura une Eevee au moins. Donc, il nous faut la sieve en bois, pas en Eevee. Je suppose que c'est le même craft. Oui, c'est exactement le même craft. Non, il faut des petites dalles. Par contre, je sais pas comment faire pour... Attends, il faut avoir de la cyrène brick. Et pour la ça, cyrène brick, en fait, il te faut du sable et de la clay, si je dis pas de bêtises. Oui, mais sauf que j'en ai pas de clay. Bah, la clay, ça doit être un peu. Y a pas un craft pour la clay? Regardez, je pense qu'il doit y avoir un craft pour la clay. J'ai regardé, mais. Alors, par contre, c'est pas ça? Non. Et par contre, il y a vraiment des crafts, je comprends pas pourquoi ils fonctionnent pas. C'est vraiment. En fait, il y a des machines, mais. C'est vraiment bizarre qu'il y ait des crafts. On n'est pas dans la possibilité de faire des machines pour l'instant. Ok, bah d'accord. Moi j'ai un craft et il fonctionnait pas sur une table machin, il fallait que je fasse une table de craft en bois. Des fois je piche pas tout. Du coup, ensuite à partir de ça, il faut. Ah non, j'aurais dû le garder, coup dur. Hop, on le récupère. Et on détecte. Bim. Et on le. Mais j'ai pensé que c'était en mettant du sable, tu sais, avec le stone hammer, mais ça suffit. Donc pour faire la clay, c'est simple, t'as besoin de clay? Ouais, mais tu vois, quand je mets le sac, ça me donne de la dust, et la dust... Alors, la clay... Attends, je vais regarder comment tu peux la faire. Tu peux smelt de la clay or. Ouais, on s'en fout, on peut pas faire ça. Donc, toi, là, actuellement... Ah, dans un fluid block transform, avec de l'eau, dans un stone barrel, ça donne de la clay, normalement. Mais, comment tu l'as aussi? Bah, je vais regarder. Comment t'as l'eau, c'est ça que je veux dire. L'eau. Hein? Stone barrel. Si on n'a pas de flotte, ça va être compliqué. Attends. Chaque chose en son temps. Mais j'ai du lithium. Déjà, il faut que je fasse cuire. Je sais pas, je regarde un petit peu sur les autres trucs. Ah, d'ailleurs, oui, du coup, tu sais, tu me demandais s'il y avait du magical agriculture là. Eh ben, il y a de l'agriculture. Ça, c'est nice. Voilà.
Il y a pas mal de trucs, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Bah, je sais pas pour l'eau, mais je pense que c'est la solution. Pour l'instant, on a que je vais regarder. Water. Comment on va pouvoir faire de la water? Alors, on peut faire de la water. Comment? On va pas la loot, hein, ça va être un peu complexe. Donc on peut pas la crafter, il nous faudrait... je sais pas trop comment on peut avoir de la flotte. C'est vrai que c'est... J'ai pas pensé à la flotte, mais comment qu'on fait pour avoir de la flotte? Il faudrait des cactus, apparemment on peut faire avec du cactus juice. Je sais pas trop s'il y a un truc pour la flotte, peut-être que moi j'en verrai un après, tu sais, je sais pas du tout. Peut-être dans mes objectifs. Oui. Alors, ouais, c'est bizarre. Mob farm, silk mesh, iron, diamond, auto sieve. Peut-être avec le floral machin là, non? Je sais pas. C'est pour faire des fleurs, floral fertilizer. Alors, du coup, on va regarder un petit peu le floral fertilizer. Donc, le floral fertilizer, en fait, il se fait que avec des colorants. C'est pas trop complexe au final. Mais tu les as comment les colorants? Ouais, c'est pas faux. Bah en fait, il faudrait qu'on arrive à... Faudrait limite faire spawn des mobs, en fait. Pour avoir de la poudre d'eau. Ah non, attends, je sais, avec le silk, on peut avoir des graines. Ah ouais? Oh, t'as eu de la dirt? Pas de la grâce? What? C'est toi qui l'as mis? Non. Bah, c'est pas ça qui l'a fait. C'est quoi ça? Je sais pas, c'était de la poussière. Ah ouais, c'est non, ça c'est des trucs à filtrer pour avoir des minerais en fait. Avec Ex Nihilo. Oui, ben ça permet aussi sensiblement avec ces blocs que j'ai. Ouais, c'est bizarre un petit peu. Je vais regarder comment on fait. Mais ouais, normalement en fait, tu peux faire un silk mesh moi. Et avec le silk mesh, on va pouvoir filtrer le sable et tout pour avoir des minerais. Donc c'est peut-être comme ça que tu pourras avoir de la flotte au final. Hein. Et c'est peut-être comme ça que tu peux avoir de la clay tout simplement. Ouais. Tu vois, moi j'ai un stone barrel. Alors voilà. Ah, mais l'eau, tu la récoltes de dehors quand ça pleut. Mais t'auras du mal à récupérer dehors en fait, parce que dehors c'est que de la lave en haut. C'est vrai. Donc, ça risque d'être compliqué. Je sais pas si. Peut-être qu'ils nous le diront après, tu sais, dans la suite du truc. Hein. Hop, du coup, ça c'est fait. Ouais, voilà, faut faire une mob farm apparemment. Il y a un objectif, c'est faire une mob farm. Donc, au pire, tu fais une mob farm. Hein, et puis, ça, on fera plus tard. Hein. En soi, c'est pas ultra important, je pense. Qu'en penses-tu? Attends. Si on regarde, on peut faire une mob farm. Donc, on pourrait faire une mob farm tout de suite. Non, mais je pense que c'est. Normalement, c'est notre portée, le truc, forcément. Ouais, mais je sais pas du tout. Ça, c'est dans un free block transform. Dans un barrel. Donc, c'est soit dans le wood, soit dans le stone. Et. Et tu alors, mets de la coup... dust avec un seau d'eau, mais le seau d'eau c'est où en trop? Moi j'ai en train de filtrer tranquillement. Ah bah j'ai eu de la. Mec, j'ai eu de la poudre d'os. Ah nice. C'était pas très utile ce que je viens de faire. Mais... Limite, faudrait au pire on fait un peu plus de grâce, et puis avec la grâce on pourra faire un bon coup, un plus. Tu sais, avoir plus d'un un champ plus gros. Des trucs en attendant. Ouais, ouais, j'ai un peu avancé, ouais. Tac. Ah là, j'ai d'avoir des ubiquettes. Oh, des cellules photovoltaïques. Putain, on va pouvoir avoir de l'électricité. Ah, mais oui, mais faut le mettre en hauteur, comment qu'on va faire? Epic bacon. Oh, tiens, du bacon. Nice. Pour se nourrir, je t'en donne la moitié. Merci. What, oh, quoi, ça ce... nourrit bien. C'est multicolore, le bacon. C'est du bacon multicolore, mec. Peut-être, je vais essayer de poser les cellules photo. Je suis pas sûr que ça marche, mais tu peux essayer. Ouais. Alors, comment ça se pose déjà? Bah, normalement, tu poses juste, hein. Item placeholder. Ça a l'air bizarre, je vais pas trop y toucher pour l'instant, tous ces trucs. Tac. Ah, c'est un peu le bordel, hein, chez nous, ouais. Ouais, ça commence à devenir un petit peu plus complexe, hein. Ouais, puis ça commence à devenir aussi un peu beaucoup pour faire de l'eau, il y a peut-être des water generators. Ouais, je pense, oui, il doit y avoir un truc, hein. Il y a forcément un truc pour faire de l'eau. Mais quoi? C'est la question. Crucible. Un crucible, ça c'est pour faire de la lave. Mac ouais, bah, je m'en occupe du crucible. Bah vas-y, mais du coup, pareil, il faudra de la clé. Ah bon? Ouais.
Ah oui, là c'est un peu horrible, hein. Tu vas voir. À moins que la clé. Attends. Je peux faire avec du slag, oui, mais il faut encore de l'eau dans tous les. Je sais pas du tout comment on peut faire la water. Water. Water essence et dirt essence. Je sais pas du tout comment on peut la faire. Ball of dirt water. Seeds. Ouais, non, ça c'est beaucoup trop complexe. Ça se trouve faire de la magie. Enfin, tu sais, je sais pas si on peut faire des graines d'eau là. Des water essence. Des seeds of water. Des water seeds. Ah ouais, de toute façon, pour faire des water seeds, il nous faut de l'eau. Donc, dans tous les cas, il nous faut de l'eau. Le fluid ouais, transposer, il nous faut de l'eau. La terracotta. Attends, dans un pulvérizer. Terracotta, ouais, mais la terracotta, on en a pas. Dans tous les cas, il nous faut de la flotte de toute façon. Peut-être qu'on peut en obtenir de la terracotta. Weather container. Ah, avec de la clay, on peut en obtenir. Ouais, mais du coup, c'est le. Ah, c'est un cercle vicieux. C'est un peu compliqué. Alors. Ok. Bah, moi, je pense que je vais faire une petite. Limite, on pourrait faire la ferme à mob au pire, hein, je te dis. Parce que, apparemment, on peut loot des seaux d'eau avec les loot bags. Si tu regardes dans Water. Hop. Ah, oh, attends. Water clay, machin. Bon. Je comprends pas comment qu'on fait, hein. Moi non plus. Apparemment, en faisant de la snow, on peut la faire cuire dans le smelter. Ou en faisant de la glace. Attends. De la glace, flint, si on a de la glace ou de la neige, on peut la faire cuire attends, dans le smelter. On peut faire un flint mèche là. Ça nous fera un loot box peut-être que. Oui. Flint, ah, mais il faut du flint. Ah, oh, bah je m'en occupe. Hyper. Attends, ça. Je regarde un petit peu parce qu'apparemment on peut en faire avec de la glace. What? Dans un wooden crucible, si je mets de la flotte. Oh attends, j'ai peut-être un truc là. Je crois que je tiens un truc. Ah. Faut que je fasse un wooden crucible. Je vais tenter un truc, hein, je suis pas sûr. Alors, wooden crucible. Pour faire un wooden crucible, il vous faut. Quoi? Dim. Et est-ce qu'on a des saplings et des trucs comme ça? Oui, non. Ah ouais, regarde mec, eh, regarde, je fais le. I have made water. Look non. Here. Eh, c'est toi qui as mis ou pas les grâces là? Ça pousse tout seul, ça, c'est un truc de fou. Oh. En fait, voilà, bah du coup on a de la flotte, mec. Mais Donc là, on a juste à prendre un seau d'eau. Et ben, a priori, faudrait qu'on réutilise. Je crois que tu peux. Essaye de poser directement un bloc. La clay de base. Non, de la dust, il faut mettre dedans, je pense. Essaye de mettre de la dust dedans. Attends deux secondes, j'en ai pas. Si tu fais un clic droit avec de la dust dedans, normalement ça peut le remplir mais avec en de fait, l'eau. J'ai l'impression. Ouais. Mais elle est où la dust? Ah, je l'ai pété. Je l'ai piqué. Ah, tu l'as prise? Ouais, je l'ai prise tout à l'heure, j'en avais besoin. Bah, faut en refaire. Donc c'est du sable que tu casses, hein. C'est ça. Ah ben, que tu smashes plutôt. Bah du coup, voilà. Et après, bah là, du coup, t'as de la flotte. Ensuite, il nous faut un bucket. Et donc, les buckets, ouais, là, tu peux pas... t'es obligé de passer par la clay, hein, le bucket, très clairement. Donc, pour la clay, il te faut de la unfired clay avec de... qui se craft avec de la clay. Ok. Et donc, normalement, si tu mets de la dust dans l'eau, je crois que ça me... Bah, pareil, le craft de la flint stiff 9 mesh, il marche pas. La quoi? Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, non, mais fais-la dans l'autre. Fais-le dans le... dans la table de craft normale ou ça. Bah, j'ai essayé dans la table de craft normale, ça marche pas. Mirror. Attends. Pas enfin, celle-là, hein. Celle-là, elle est broken. Moi, je vais la péter. Essaye, ouais. Hein, mais... Alors, c'est le flint mesh. La flint mesh, elle est là. Oh yeah, what the fuck. Flint mesh crafting, pourquoi ça veut pas? Tu vois? C'est vraiment bizarre, hein, qu'il y ait des trucs qui fonctionnent pas comme ça. Ouais. Bah du coup, tu jettes les items, tu te mets en game mode 1. Bah ouais, parce que du coup, je sais pas. Attends, on va essayer d'autres trucs. On va essayer une méthode japonaise. Ok, on va pas aller plus loin que ça. Dim, on va voir si ça fonctionne. Est-ce que la méthode japonaise ne fonctionne? Absolument pas.
Bon bah ouais, mais du coup vous voyez hein, les gens, là on a exactement le bon craft, donc quand c'est comme ça on va se filer parce que c'est bizarre. C'est bizarre, on n'est pas, on devrait pas avoir le problème en fait. Donc Ouais, c'est, je comprends pas. Hein. Peut-être qu'on fait mal les choses, hein. Ouais mais je sais pas, non, bah non, bah c'est bizarre, déjà tout à l'heure le craft il aurait dû fonctionner en fait, donc Oui, c'est pas faute d'avoir essayé avec d'autres. 1, 2, 3, 4, 5. C'est, ouais, je sais pas. Faudra regarder, peut-être c'est dans la config ou tu sais, on a peut-être fait de la Bah voilà, merde dans la tu essayes de config. valider le truc maintenant, du coup. Ouais, alors du coup, ça c'est fait. Bim. Print mesh detect. Et on claim. Ok, c'est bon. Donc là, il faudra faire l'iron mesh. Donc pour l'iron mesh, il va nous falloir du fer. Ouais, le fer c'est un peu la mer. Ouais, La j'ai eu mort. des trucs Ah, de j'ai eu du thermodynamique. Certus, moi. J'ai eu le même loot que toi tout à l'heure, je crois. J'ai eu du Certus et du Flux. Regarde, j'ai eu les mêmes trucs que t'avais eu via Ah ouais, mais t'en as tes. eu plein des photovoltaïques. En fait, ça faut le crafter le truc à partir de ça. Tu peux pas le faire directement, tu peux pas les poser. Tu peux Ah, pas les faut faire poser. un solar panel, c'est Voilà, à ça? partir de ça, tu fais un solar panel en fait. D'accord. Oh, ça a l'air chaud. Ah, c'est un peu relou. Tiens, normalement, tu peux placer là. Regarde dans ton truc. Essaye de placer une dust. Alors, t'en as où de la dust? Bah attends, j'en ai fait une au pire. Attends, on va essayer. Essayons tout de suite. Voilà, tu vois, et là du coup t'as ta clay. Nickel, GG. Et bim. Mais Bah du du coup, coup dans mon là, je vais code te faire un barrel, seau j'ai d'eau tout de peut-être. suite, au moins ça sera fait. D'accord, en fait, faut mettre. Bah, ça, c'est bien pensé. Mais par contre, comment on fait le seau d'eau? Bah le seau d'eau avec ça, t'as la clay, là tu fais un seau dedans et tu fais cuire ton seau. Tu craftes le seau, tu le craftes juste. C'est un craft lambda en fait. Oui, bah D'accord. tu le craftes dans la table de craft en fait, tu Oui, fais mais là, vraiment un moi, ce qu'il me saut. faut, c'est juste la clay. Enfin, tu Ah, l'as où, la je l'ai clay? récup, c'est bon, tiens. Bah tiens, je te mets dans le four direct au pire. Voilà. Ah, d'accord, mais ça te donne un saut en clay. Ouais, et ça en fait, le saut tu le fais cuire, et puis à partir de ça, bah directement t'as le D'accord. truc quoi. Bah non, ça donne un clay bucket. Ouais, bah le bucket là c'est bon. Avec le clay bucket, tu peux utiliser la flotte comme tu veux. Ça sera plus problématique quand ce sera avec la lave, parce qu'en gros avec la lave tu pourras. Enfin, tu pourras Mais l'utiliser du coup qu'une seule ça, fois. d'accord. Ok, j'ai compris. Bah là du coup t'auras juste à l'utiliser sur la flotte et puis t'auras un seau d'eau au final. Bah, il a disparu. Bah tu vas What? te là. Ah non, d'accord, c'est que j'avais pas mis dans mon inventaire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah du Alors, coup du coup. maintenant il me faut mass gravel et mass sand. Ça c'est fait. Donc l'iron mesh, je vais. En fait, faudrait que je fasse des minerais. Donc, bim, on va regarder. Oh. Iron. Iron. Alors, pour faire de l'iron, il nous faut. Ça va être horrible, hein, l'iron et tout à faire, je crois. Si je me souviens bien. Smelting, ouais, c'est iron ore chunk, et ça se fait avec des iron ore pin. Qui se font avec du. Par contre, maintenant on peut faire des stone hammer, ça marche avec les sticks normaux. Ok. Alors, du coup, là, moi je vais faire directement du compressé des trucs compressés, ce sera plus rapide. Vas-y, vas-y. Bon, je vais me faire 20 de gravier, 20 de sable. Là, du coup, on a de la cobble compressée. Je sais pas Sur du tout ça, j'ai protéger jamais regardé si l'enfoiré. ça fonctionnait. Je sais pas du tout, je crois pas que ça fonctionne ça. On va tester, hein. Ouais voilà, très bien, ça fonctionne absolument pas. Coup dur. Mais en gros ça après, une fois que je les aurais fait en gravel, je pourrais directement les compresser normalement. Bon j'ai fait des bêtises là, j'aurais pas dû faire ça. Mais en gros le gravel tu peux le compresser, je pourrais le filtrer. Enfin si tu veux tu pourras le compresser et tu pourras le filtrer directement. Nice. Tiens si tu veux t'amuser tu peux péter les trucs derrière. C'est vraiment vraiment génial à péter. Ça prend 5 heures hein, je te préviens. Ah bon? Ouais, je sais pas, j'ai fait des bêtises et du coup ils prennent 5 heures à se péter. Enfin, Non, regarde avec les Warhammer. Tu les as pété vite? What? Ah, moi j'ai pris 5 heures, mec. Non, avec les Warhammer. Ah bah, ok. Tout T'avais s'explique. juste y pensé. Ouais, c'est vrai. Ah Bim. là là. Le petit stonehammer. Hop! Bah, du coup, là, en fait, moi je vais faire un peu de minerai. Je vais essayer de faire le. Je vais faire un peu tous les mesh là, histoire de pouvoir avoir des minerais. Après, c'est vrai qu'automatiser les trucs sera beaucoup plus pratique plus tard. Donc, on Ouais, mais verra on n'est comment on pas peut faire encore ça. là. Hein. Non, c'est vrai. Mais en vrai, l'automatisation pour les minerais, c'est relativement rapide. Ah ouais. Ouais, non, ça va, c'est pas la plus relou.
Non, mais toi aussi, t'es en train de faire du sable? Ouais, bah j'ai besoin de ça pour faire les minerais, justement. Bah, c'est pas pour la même chose qu'on y fait, mais ok. Pam palam. Et voleur. J'en ai besoin d'un de plus. Ok, tac. Ta-ta-la, ta-ta-la. Bon, après, c'est du farm, hein. C'est toujours un petit peu le concept du skyblock. Ouais, mais après, c'est ça, un skyblock. Enfin, là, moi, encore, on a des staminés, c'est mieux que du skyblock. C'est vrai. Le skyblock, c'est beaucoup plus long. C'est vrai, c'est vrai. Jeu. Et puis, ça change, c'est un peu original comme concept. Mais je crois qu'il est récent, le modpack. Hein. Ouais, ouais, non, ça a l'air relativement récent. Alors là, du coup, j'en ai récupéré pas mal de minerais. Je pense que je vais faire un coffre différent pour les minerais, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ça pourrait être beaucoup plus pratique. Alors, du coup... Ah, mais il me faut encore de là. Okay. Hop. Alors par contre, si j'arrive à crafter, ce serait plus pratique aussi. Et la poussière. Hop, là. Que je vais mettre là-dedans. Ah, j'ai des graines de cactus. Et des graines de cacao aussi. Ah d'accord, donc là il faut mettre des pousses, c'est ça pour... Voilà, là tu mets des pousses, ça va faire de l'eau. Limite faudrait faire une source d'eau infinie, je sais pas ce que t'en penses. Ce serait peut-être plus pratique. Bah ça serait beaucoup plus logique à vrai dire. Tac. Alors du coup moi je regarde un petit peu ça, bah, j'ai fait. Faire ça. Moi j'aimerais bien faire le... Ça c'est auto-sieve, du coup c'est plus tard. Mais en fait une fois que j'aurai le lava générateur, je pourrais faire des trucs automatisés, ça sera beaucoup, beaucoup plus pratique. C'est-à-dire que je pourrais faire le générateur à cobble automatisé. Et à partir du générateur à cobble automatisé, je pourrais faire un... Je crois qu'il y a un truc pour broyer automatiquement. Donc qui est le auto-hammer. Si on regarde. Auto. Auto-hammer. Regarde, dans le stone barrel, je suis en train de faire T'es en train de faire ça avec la terre. Ah d'accord. Oui voilà, donc là je peux faire un auto-hammer. Plus tard je ferai sûrement ça dès que je pourrai. Il faut pas mal de fer, mais une fois que je pourrai faire ça, je pourrai automatiser la production de minerais. Voilà, voilà. Alors par contre, si je dis pas de bêtises, on peut faire un triple hammer. Ce sera quoi ton truc là? Ben je sais pas ce que ça va donner. D'accord, c'est juste pour avoir de la terre en fait. C'est t'as, t'as mis quoi dedans? Des pousses. Ok. Juste pour avoir de la terre, et c'est absolument nul parce que c'est inutile pour nous. Oui, mais ça tu t'en sers dans le skyblock de base en fait. Oui, j'avais bien deviné. Alors moi je suis en train de faire un triple hammer, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne crois pas forcément que ça soit très utile mais... Donc là pour l'instant on n'a pas de nouvelle quête hein. Absolument pas, bah pour le moment faut qu'on fasse un petit peu de... Il y a 2-3 farms à faire là. Ouais, il y a un petit peu de farm pour avoir un peu de minerai personnellement. On pourrait faire une usine à mob aussi à l'occasion. Oh! Mais qu'il y a un mouton qui spawn! Quoi? Y'a un mouton! Y'a un mouton qui a spawn! Bah si, vu qu'on avait de l'herbe, y'a le mouton, il a spawn! Faut l'emprisonner, on a... Bah c'est bon, y'a pas, ça en est bien loin, mais... Oui, c'est vrai. On a notre petit mouton, nous. Ah, comment mais qu'on l'appelle? T'as bouché l'endroit où je voulais faire ma... Ah non, mais je vais miner, là. Donnez un nom à mouton dans les commentaires. Enfin, le petit mouton... Ça sera la mascotte. Voilà. Notre mascotte. Mec, il vient de spawn comme ça là, tranquille. Il s'est dit allons-y, Alonso. Je suis un mouton. Je sais pas trop à quoi il va nous servir, hein, le mouton, honnêtement. Au moins, il se balade dans notre île. Enfin, dans notre. Après, on fera des cisailles, ça nous fera de. Ouais, c'est vrai que ça pourrait nous faire un peu. Enfin, après, en soi, là, pour le moment, on a besoin. On a déjà pas mal de après, fils. On a de la ficelle. Okay. Oups. Reviens. Petite torche. Allez. Hop, on continue tranquillement le minage. On récupère tout ça, je vais pouvoir faire pas mal de minerais normalement. Comment ça? Hop. Comment ça, ça marche pas? Ah si, si. Ta-ta-da. En vrai, notre base commence à être grande, hein. Grande. Regarde, on a presque un chunk de base. Si tu regardes sur la map, on a presque un chunk. Ouais, 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 c'est pas mal. Ah, par contre, faudra peut-être qu'on éclaire, enfin qu'on agrandisse un peu. Après, c'est pratique du coup pour la ferme à mob parce que du coup, on est en grotte directement, il y a aucun endroit où ils peuvent spawn. Mec, ils font tout spawn d'un seul endroit, c'est n'importe quoi. Ouais, par contre, ça va vraiment être intéressant au niveau. Bah, niveau ressources, ouais, ça va être un truc de fou. Normalement, ça va être vachement productif.
suis en train de travailler sur la source de l'infini, moi. Parfait. Là, je suis en train de travailler sur les minerais infinis. J'y travaille. Comme ça, j'aurais juste à mettre la source d'eau dans le barrel et à mettre... Alors par contre, je sais plus du tout comment qu'on fait pour avoir du diamond. Je sais pas si c'est sur la dust ou le sable, on va regarder ça vite fait. Diamond avec le sieve, ça se fait avec le high water. Attends, il y a pas moyen d'avoir du sable plus facilement. Ah, c'est du compressed gravel, donc j'ai pas... Là, j'ai de m'embêter pour rien. Ah, est-ce si que... on met au pulverizer de la stone, on peut avoir du sable. Ça pourrait être plus rapide pour automatiser par là. On peut faire un pulverizer? Bah ouais, si possible, ça peut être pratique. Non, on peut pas, parce qu'on a pas de source d'énergie pour l'instant, mais par la suite. C'est vrai que ça pourrait être vachement plus pratique. Alors moi, j'ai fait des trucs totalement inutiles. Et voilà, petite source d'eau infinie. Donc j'ai besoin que de gravel, et puis j'ai fait plus de trucs que j'ai besoin. Donc je maintenant, on a de l'eau. Hop, hop, bah nickel. Nickel. Moi, je viens de faire un truc totalement con, hein. C'est-à-dire que là, je viens de crafter un truc pour rien. Triste. Ouais, je crois que j'ai eu autant d'avance que de tout récupérer, parce que là, du coup, je suis en train de faire des trucs que j'ai même pas besoin. J'ai autant d'avance de récupérer ça avec le hammer. Ça va faire un peu de dirt au moins. Hop là. Et voilà, tu vois, j'ai fait de la clé là par exemple. Nickel. Bah du coup là ouais, je suis en train de faire un peu les minerais. Là il me faut de l'iron et après avec l'iron je pourrais faire un nouveau mesh. Pour essayer d'avoir du diamond. Comme ça avec le diamant je pourrais automatiser la production de minerais. Et du coup ce sera beaucoup plus pratique après parce qu'on est des gros flemmards. Bah attends. Bim. Bah du coup la dirt là faut que je la revoie encore un coup. À moins que t'aies besoin de dirt, tu sais pas. Non. Ok. Bim. Par contre il va falloir qu'on agrandisse notre base parce que ça commence à devenir un peu. C'est vrai que ça commence un petit peu à être hardcore. Allez, on agrandit. Vas-y. Moi je mine, hein, tranquille. Je te laisse agrandir la base. Ah, hop. Ouais, je vais agrandir sur le côté. C'est toi qui mets de la cobble partout. Hein? Ah, t'as grandi, toi quand t'as grandi. Hein. Ah bah. Par contre, j'ai bien mon send. Non, je le garde. Merci. Ouais, par contre, c'est vraiment chiant que les items bug parfois dans les blocs. Ouais, je sais pas si ça va les laisser. Cours... Tu vois, l'item sur le coffre il est plus, je pense, au bout d'un moment ça débloque. Au bout de 5 minutes, certainement. Ouais. Peut-être. Je vais faire comme sur Minecraft de base. Bon, alors du coup, là je fais un peu de minerais perso. Des petits minerais qui vont faire du bien. Mec, ça fait masse fer en plus, hein, ce que je fais là. Ah bah c'est bien. On va pouvoir se faire des trucs un peu plus décents. Bah après je préfère automatiser d'abord la minerai avant de commencer à crafter des trucs vraiment fous avec les minerais. Pour être tranquille. Ah d'ailleurs si tu veux des colorants j'en ai là des colorants donc peut-être que tu peux t'en servir. Bah vu que j'ai récupéré du cacao. Toi tu peux t'en servir pour faire le fertilizer là. Ouais je sais pas si ça fonctionne là bah c'est du cacao mais Bah si. Comment t'as eu du cacao? Bah en gros en filtrant par contre, des trucs. Mon invar machin est mort. Ok, plus dur. En filtrant des trucs, des fois j'en loupe donc. Non, j'ai plus de bouffe. Les pig bacon, ça donne tellement de nourriture que. Bon, alors là j'ai. Hop. J'ai. Oh non, ça en fait plus. 8 de fer, mec. Incroyable! Eh, j'ai même du charbon, mec. Non, nice. Nice, hein. Bim. Bon, du coup, par contre, on a toujours pas de bouffe, hein. Ça, c'est un peu la mort. Bah après ça va, on se déplace pas énormément donc la bouffe c'est pas si. Bah on a les epic bacon hein, tu peux y manger. C'est vrai. Bah après vu qu'on se déplace pas vraiment énormément, c'est pas vraiment un problème. Ça va pour encore. Non. Ça pourrait être largement pire. Dim. Je peux t'emprunter ton marteau en invar? J'ai mon marteau en invar, ouais tiens. T'as un marteau Tiens moi je vais me faire un marteau en fer, de toute façon j'ai besoin de marteau en fer. Ouais mais c'est avec Tinker. Non, tu m'as donné ton stone hammer. Oh, c'est gentil, mais c'est pas ce que je veux. Oh, mais tu pourrais miner avec du stone hammer. Ça te ferait du gravel.
Tiens, je vais les reposer sur le côté, hein, pour ça leur ressemble. Oui, allez. Le mouton, on a compris que t'étais là. Oh, il arrête pas, hein. Non, c'est pas Mario. Merde, bah où c'est le chat. Me juge pas. Ne te juge pas. Les abonnés, oui. D'accord. Alors, hop, on va faire un peu de gravel, encore une fouée. Et en vrai, normalement, hein. Je devrais commencer à choper un peu de diamants. Peut-être qu'on aura un diamant avant la fin de l'épisode. Objectif diamant. C'est l'objectif du jour. Allez. Normalement, mec, avec un stack de gravier, là, je devrais peut-être réussir à choper. Bon, c'est un peu long à miner, le gravier, là. C'est pareil. Ça, en vrai, une fois que c'est automatisé, ça va aller tellement vite, mec. Est-ce qu'il y a des queries sur le modpack? Non, je pense pas. Faudrait regarder. Je pense pas, non. Enfin, après, des queries pour miner de la cobble, je suis pas sûr que c'est très utile. C'est pas faux. J'avais oublié ce petit détail. Je pense, hein, on peut essayer, mais... Oui, non, mais en soi, je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux. Alors, du coup, ça c'est fait. Après, juste pour creuser de grands espaces, ça peut être pratique. Oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien faire une base avec des couloirs, pas juste un gros chunk. Non, bah oui, non, on essaiera de faire un truc propre. Iron Mesh. Comment on fait cet Iron Mesh? Donc l'Iron Mesh, je crois que c'est toutes les mèches, hein, qui sont buggées. Parce que là, j'essaie de recrafter une, ça marche pas, donc je vais faire pareil, je vais me la give, j'ai tous les items en main, donc... Ouais, après tu jettes, hein, de toute façon. C'est quand c'est comme ça, on va faire ça, parce que ouais, je sais pas pourquoi ça marche pas, donc... 3, 4, 5... Hop, 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 hop. Mais toi, tu l'as fait comment, du coup, ton... Ah, mais je me suis même pas give, je suis vraiment boulé. Non. Tu l'as fait comment, le... Flint Mesh? Ça a fonctionné? Non, mais je l'ai pas fait, du coup, je me suis... Le okay. Truc de tout à l'heure, là. Oui, oui. Oui, oui, je me suis le give et j'ai jeté les i. Ok. Enfin, je crois que c'était même toi qui l'avais fait, mais... Je sais plus, peut-être bien. Turret tank. Et on fait ça. Et du coup, avec ça, là, je vais pouvoir directement filtrer du gravel. Et avec le gravel, en le filtrant, j'ai une chance d'avoir du diamant. Donc peut-être qu'on va avoir du diamant. Allez, c'est parti. Filtrons. À la recherche du diamant. Du sable. Il nous faut deux diamants. Deux diamants pour automatiser. Ah yeah. Du sable et du gravier. Est-ce que t'as du sable et... Ouais, j'en sers en fait. D'accord, bah je m'en Bon bah j'ai... Regarde, t'as vu l'achievement? Oh, GG. Voilà, on a le premier diamant. Le premier diamant du serveur. Enfin du... Oui, du serveur en soi. Mais de l'aventure. Oh, mais t'as vu, mec, il y a des fleurs bleues qu'on poussait. Ah ouais, regarde, on est dans un swampland. C'est stylé. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, en tout cas. Bah écoute. On a eu notre diamant, c'était l'objectif du jour. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Antar, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à lâcher un maximum de j'aime, un petit nom pour notre petit mouton. Voilà, on va peut-être avec un épisode de plus, donc ça sera peut-être pas dans l'épisode 3 qui sera renommé. Mais on essaiera de le renommer dès qu'on verra vos commentaires pour le petit nom du mouton. Voilà, bon du coup, nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao, ciao. Aïe.